papa va te connaître. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Un jour, papa va te connaître. Faut pas pleurer. Oh, c'est dur, mais ça va aller. Ça va aller. Eh, mon bébé. Ça va aller. Eh, bébé. Faut pas trop pleurer. Hein. Nya. C'est comme si Dieu m'avait entendu. Go, Dieu est sorti. Je suis sorti. Je parlais de toi tout à l'heure. Oh bébé. Je suis sorti. Go. Bon arrivé. Merci. Go. C'est comme si tu m'avais entendu. Voilà. Je parlais de toi au bébé. Voici le bébé, Go. Merci. C'est ce qui s'est passé derrière toi. Aïe, dis donc. Tu ne me voyais pas là, c'était à cause de lui. Parce que j'étais à terme. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Ça n'a pas été facile. Oui, je vois. Dieu merci que tu es arrivé, quoi. Maintenant que tu es là, on va ensemble penser à l'avenir de l'enfant. Parce que à moi seul, je ne sais pas, je ne savais pas quoi faire. Tu vois, comme la grossesse était à thème, c'est pour cela que tu ne me voyais pas là-bas. J'ai passé tout ce temps en train de vraiment acheter des médicaments, acheter tout. J'ai souffert beaucoup. Maintenant, c'est vrai, tu as raison. Maintenant que l'enfant est venu, il faut préparer son avenir. Vraiment. Il faut plus dormir. Il faut plus dormir. D'accord. Vraiment, hein. Donne-moi mon baluchon. Je vais à l'aventure. Quand? Maintenant même, je vais à l'aventure. Maintenant, go. Maintenant, je vais à l'aventure. Donne-moi mon baluchon. Tu me laisses avec le bébé. Non, débrouille-toi. Hein? Je vais à l'aventure. Mais, go, mais... Tu peux pas aller maintenant, réponds-toi, quelques jours, un mois, deux mois, trois mois. Ça peut plus attendre, c'est un impératif. Je vais à l'aventure. Et je te précise, hein, je sais pas où je vais, je sais pas quand je vais revenir. Mais seulement, je sais que je vais revenir. Tiens bon, comme tu as toujours su le faire jusqu'à présent. Prends l'enfant et donne mon baluchon. Attends, que je te donne ton baluchon. Toi aussi, tu es venu nous trouver dans une situation difficile. Fais en sorte que... tout le bonheur que tu avais là-bas, là, qu'on puisse vraiment vivre de ça. Vraiment, on compte beaucoup sur toi. Bon, je vais partir. Je ne dois plus attendre. Mmh. Oui. Vraiment, mon cœur est déchiré. Non. Seul avec cet enfant comme ça. Ça fait rien. Attache ton cœur. Bon, au revoir, Go. Au revoir. Emmanuelito. Je suis parti. Mais je reviens. À bientôt.
Il paraît que les gens ont profité. De l'eau, un cacao à 100 francs, laisse ça. Les gens ont profité pour casser la prison et ils croyaient que c'était fini. Les militaires. Les prisonniers eux-mêmes ont cassé. Ah oui, ils sont malins, hein. Ils ont formé leur comité. Comment on appelle ça là? PC-crise. C'est dangereux. Les prisonniers qui ont eu la chance de changer de comportement et être dans la société, dans les normes de la société, il n'y a pas eu de problème. Mais ceux qui ont eu la malchance, à qui si? Ceux qui ont eu la malchance de continuer dans leur bêtise. Tu n'entends pas? Leur patron même a dit que le voleur n'a pas de pitié. Donc, ils n'ont pas pitié aussi. Je vous assure, maintenant dans Abidjan, là, tu peux ouvrir ta porte 10 jours, même tes fenêtres. Tes si fenêtres tu même. Tu dois sans problème. Il y a même quelqu'un qui disait comme ça que dans Abidjan maintenant, à Djamé où on dit black ou bien quoi, il y a des bandits à Bobo. La gare. Hop. Tu peux même te balader avec ton portefeuille sur la tête. Sans problème. Je vous dis sur la tête. Non, c'est même on peut dormir en paix. Les fenêtres et les portes ouvertes. Les gars, c'est pas Gou qui arrive. Mais quel Gou? Le Gou. Ils n'ont pas encore changé cela. Mais c'est lui! Je vais monter à l'eau! Go! Non, 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 c'est pas vrai! C'est ça la vie! C'est ça la vie! J'avais besoin de ça! Ah ouais! Tu as vu ça? J'avais besoin de ça! Mais eux, les valises sont restées sur la place du village. Les valises? Oui, retourne vite les chercher. Petit, pardon, viens m'accompagner là. Ah oui. Ah ouais. Et la nouvelle de là-bas? Ben, la nouvelle? Oui. Bon, elles sont bonnes. Très bonnes nouvelles. Dieu merci. Parce que vous avez été témoin d'un changement. Oui. Le pays tout entier a connu un grand changement. Ah oui. Ah oui, donc il faut faire un changement le plus vite possible. Parce que le pays a connu un changement. Dans les campements, dans les villes, dans les partout. Il y a eu des changements. Alors il faut faire vite. Mais changement là même, c'est quoi? Le changement? Oui. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Bon, voilà. Tout ce qui est vieux, on doit déblayer et faire place à la jeunesse. Hey! Il faut tout rajeunir. C'est-à-dire les vieux et les jeunes? Au-dessus. Hey! Donc, vous savez, oui, comme dans le pays, la vieillesse est partie pour faire place à la jeunesse. Dans toute l'Afrique, il y aura un changement. Ah oui, aux États-Unis. Hey! Bill Clinton va partir pour laisser la place à un jeune. En France, Jacques Chirac partira pour laisser la place à un jeune. Le grand Chirac? Eh oui, Gorbatchev est parti. Il y a un jeune qui vient. Ah bon? En Italie, au Rwanda, partout, partout, partout. En Chine, au Japon, partout, il y aura un changement. Alors, il faut partir le plus vite possible. Voilà la cause de ma présence ici. Ah bon? Parce que mon village ne doit pas rester. Il faut vite faire un changement. Ah oui. Voilà la cause de ma présence. Sois la bienvenue. Merci. Ah, Baba, voilà les nouvelles que nous donne Gou. Mon fils Gou. Oui. À son départ, il y a sa maman qui est morte derrière ici. Aussitôt encore, il y a son papa aussi qui est mort ici. Et aussitôt, on n'avait pas de quoi manger. Oui. Grâce à Dieu, nous sommes dans la paix. Dans la paix. Et c'est toujours la paix. Nous voulons que ça prolonge. Oui. Pour que nous soyons dans tranquillité. Gou. Oui. Voici la nouvelle que nous donne le vieux. Le vieux dit que, à ton absence ici, ton père et ta mère sont partis. Tu vois le village. Il y a la famine partout. On n'arrive pas à manger. La pauvreté est dans. Les choses s'empirent de plus en plus. Oui. Alors, on ne sait quoi faire.
Mais grâce à bon Dieu, il y a la paix. Cette paix-là que nous nous devons de préserver. Continue dans la maison avec cette valise. Hein? Voilà, celle-là, tu la déposes là. Voilà. Ok. Viens. Soulève. Voilà. Bien. Oui. Là, il faut commencer par... Voilà, tu te mets là. Il faut te mettre là. Ah oui. Bien. Il faut commencer par le commencement. Ah oui. Ah oui. Doucement, doucement, doucement. Ah, hein? Doucement. Go. Ok. Attention. Voilà. Voilà. Ok. Ah oui. Oh, waouh. Voilà, doucement, doucement. Recule, recule. Voilà, voilà, voilà. Voilà, mets-toi là. Doucement, doucement. Tiens, voilà pour toi. Oui. Un pain, une boîte de sardines. Ah oui. Voilà, oui. Doucement, doucement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne? Où ils sont partis tous? Aïe! Du calme, du calme, hein? Du calme. Oui, calmez-vous. De toutes les façons, chacun va recevoir un morceau de pain et une boîte de sardines. Ah oui. Eh oui. Oui. Parce que celui qui a faim n'est pas un homme libre. Il faut manger. 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 Partout dans le monde, il y a un changement. Oui. Le pays a connu un changement total. Oui. En Amérique, Bill Clinton partira. Oui. Et fera place à la jeunesse. Ah ouais. En France, la jeunesse. Oui. Aux États-Unis, oui. La jeunesse. Oui. En Suisse, oui. La jeunesse. Et au village, la jeunesse. La jeunesse. Ah ouais. Au village, la jeunesse. Jeunesse. On applaudit pour Gaou. J'aurai le temps de vous entretenir. Mais il y a un adage qui dit qu'à votre affamé, point de plaisir. Oui. Quand on a faim, on ne peut pas écouter. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Manger. Allez. Vous allez commencer par manger. Oui. Et après, on verra la suite. On verra. Madame, oui. Voilà. Allez. Allez. Bon, madame, voilà. 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 Ah. Bien, voilà. Eh bien, on verra. Mangez. Doucement. Mangez. Mangez. Doucement. Mangez. Doucement. Mangez. Doucement. Doucement. Jessica, tu es réveillé? Oui. Mais où tu viens avec ma fille? Non, on est allé chercher ça. C'est Go. Où? Go. Le fils de vieux Gabriel qui est décédé là, il est arrivé, il a des cantines comme ça, remplies de pain et de sardines. Tout le village a mangé. Hein? Voleur là. Voleur. C'est un voleur. Ici, il prenait nos poulets et nos moutons, nos cabris. Même les jeunes filles faisaient du mal à tous. Tu n'étais pas au courant de ça? Mais on dit qu'il est en prison l'autre côté là-bas, en ville là-bas. Ah bon? En tout cas, moi, je ne sais pas tout ça là. Mais ce qui est sûr, il est venu avec du pain, sardines. Tout le monde a été servi. À cause de lui, tout le village a mangé aujourd'hui. Hey, go. Bon, je vais te faire un petit déjeuner avec ça. Comment bien. Mais c'est pas possible. Chef. Mais la situation est grave. Le fils du vieux Gabriel, oui. Il est là. Il est arrivé. Il a empoisonné tout le village. Il a gâté tout le monde. Il est venu avec du pain et puis la sardine pour distribuer à tout le village. Tout le monde était présent. Qui était là-bas? Tout le monde, sauf moi. Parce que c'est nourriture comme ça, là. Moi, je n'aime pas. Toi-même, tu me connais, chef. Hein? C'est maudit par Dieu. Toi, tu dis que tu n'as pas été. Je suis tu as su que tout le monde était là-bas. Oh, attends, chef. Quand tu passes là, tu vois tout dans sa cour. Je les ai tous vus et puis je peux les compter un à un. Et regardez comment tu mens. Non, je ne mens pas. Chef, je te jure. Hein. Oh, j'ai compris tout. J'ai compris. Regardez-moi ça. Ça vient où?
Ça vient où? Je sais pas. Maman, prends ton père, allez-y. Chef, chef. Je prends, mais sinon, chef, c'est pas... je sais pas où j'ai quitté le père là. Sinon, sinon, regardez ce visage. Oh là là, menteur que tu es. Non, chef, vraiment, sinon, c'est pas bon. Au nom de Dieu, c'est pas bon. Oh, ça là, c'est quoi encore? Ça là, c'est quoi? Tu dis que tu n'as pas été le pain ou à la boîte sardine. Toi-même, tu as dit qu'il a donné boîte sardine et le pain à tout le monde. Je sais pas où j'ai quitté. C'est venu au Shell. C'est encore? Non, j'ai dit. C'est venu au Shell. Ouais, c'est encore. Oh, s'il faut attendre qu'on casse la prison civile afin que Gou vienne se présenter au village, c'est pas la peine. Et c'est grâce au coup d'État qui va. Ah, mais c'est vrai, tu ne reconnais pas ça ici. C'est faux. Mais on Gou, il était au village avec nous. Tu sais pas qui est Gou. Mais moi, je suis là. C'est vous qui le dites, moi, je n'ai jamais vu. Tenez-vous. Fais mon bagnole de rester à parler de Gou. Est-ce que Gou en main pour dormir? Tu es dans le même groupe que lui. C'est la jalousie qui vous a dit tout ça. De toute façon, aujourd'hui, ils m'ont promis. Ils m'ont dit qu'ils vont venir. Frère, attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Les voilà! Ça va! Et le bon changement! Oh oui, ça va bien! Akissi! Alors, Akissi! Alors, on sert à boire! Mais pour l'instant, on va tous boire! Voilà! Avec Gou, c'est le changement. Le vent du changement. Lorsque tu n'es pas dans ce mouvement du changement, tu es dans le trou. Ah oui. Changement là même, c'est quoi? Toi aussi, changement là veut dire, il faut enlever les plus vieux et placer les plus jeunes. Un gars comme Gou, comme ça, il est bien pour le changement. Attends. Ah oui, non, c'est chez moi, c'est chez moi. Ah oui? Ouais. Oui, je vois. Mais est-ce que les jeunes sont là? Oui. Ah, la majorité, c'est déjà l'essentiel. Bon, oui, finissez rapidement parce que j'ai besoin de vous ici. Oui, le chef m'a convoqué, il faut que je m'y rende. Mais j'ai besoin de vous, rapidement. Finissez rapidement et puis vous revenez en vitesse. Hein? Bon, voilà, écoute. Je vais te dire, hein, à partir de maintenant, je ne veux plus les oui creux là. Maintenant, c'est accompagné par chef. On dit oui, chef. Il n'y a pas de problème. Oui, chef. Hey! Hey! Gou me charge de vous dire qu'il voudrait vous rencontrer chez lui à la maison. Et en plus de cela, il me dit qu'il a une surprise pour chacun de vous. Ah oui, une surprise. Pour l'instant, je ne vous dirai rien. Akissi, comme nous sommes dans le mouvement du changement, serre à boire à tout le monde. Je vous ai pas dit? Tu avais raison. Vous vous souvenez la bouche déjà? Non, non. Moi, je connais bien Gou. Gou, c'est... Chef, bonjour. Bonjour, chef. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai appelé ce matin? C'est ça, on est venu comprendre, chef. Ce qui se passe dans cette ville-là, vous connaissez? Le village-là, vous connaissez? Non. Vous connaissez pas? Je connais pas, voilà pourquoi on est là. Petit Gou voleur! Il est en train de gâter la ville. Vous-même, vous êtes tous là-bas. On m'a parlé. Voleur qui était ici, il a volé notre mouton. Il a volé nos poulets. Il a volé nos chèvres. Alors, et vous le suivez? Il est venu parce qu'il boit sa dîner avec le pain. Et vous ne savez pas pourquoi il est venu? Vous le suivez comme ça, bêtement. Toi, ton neveu à toi, tu le suis. Et tu connais, la fois dernière, je t'avais convoqué ici pour un vol de poulet quand il était déjà parti là. Un voyou comme ça. Oui, je suis là. Allez, passe ici. Passe là. Et il faut te mettre en genoux.
À genoux. Qui? Qui? Moi? Tu es qui? Mais oh. Vous deux là, vous me connaissez bien de ce village. Il est venu, vous le suivez. Pourquoi? Ils vont même pas au champ. N'importe quoi. Tu m'as appelé pourquoi? Je t'ai appelé. Qu'est-ce que tu es venu faire ici dans ce village? L'autre jour, tu étais voleur. Tu as volé nos boutons. Tu as volé nos cabris. Tu as volé nos poulets. Et tu as volé nos jeunes filles. Et vous là, vous étiez là. Et vous nous suivez. Alors? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Faites très attention. Parce que l'heure du changement a sonné. Ah oui. Et les petits chefs rétrogrades au gros ventre comme vous. C'est fini ça. Ah oui. Mais tu plais gonflé. Petits chefs mesquins, aux notables amaigris, affamés. On parle pas comme ça, un chef. Oh, mais vous la fermez, vous autres. Ça veut dire quoi ça? Et tais-toi! Ingrat. Laisse-moi te dire, l'heure du changement a sonné. Vous n'avez plus rien à dire à quelqu'un ici. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Je fais comme bon me semble. C'est mon village. Tu n'es pas un bon chef. Tu es un chef mesquin, assassin, rétrograde. Et les chefs comme vous, c'est derrière. Tais-toi! On doit faire un nettoyage. Parce que les petits chefs comme vous, on les balaie et on les remplace par la jeunesse. Ah oui. Et un bon chef, c'est pas celui qui s'engraisse. C'est pas celui qui fait grossir son ventre pendant que les notables et la population maigrit. Un bon chef, c'est celui qui prend soin de son peuple. Ah oui. Un bon chef, c'est celui qui nourrit son peuple. Tais-toi! C'est celui qui habille son peuple. Qui habille son peuple. C'est celui qui donne à boire à son peuple. Bien parlé. Un bon chef, c'est celui qui soigne son peuple. C'est celui qui entretient sa jeunesse. Et qui veille au bien-être, de son peuple. Bien parlé. Et c'est pas des chefs ventrus, des chefs paresseux, des chefs belliqueux comme vous qu'on a besoin. Écoute. Et si vous ne le savez pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous l'apprendre. Le coup d'État qu'il a eu dans ce pays, peut-être que vous l'oubliez, le coup d'État. À bon entendeur, méfiez-vous. Méfiez-vous. Bon, Tu n'as qu'un ver de terre, je vais te réduire avec la terre. Il pas de coup d'État. Je dis, c'est parce que vous n'avez pas parlé. Mais j'étais prêt à le taper. Tais-toi, et puis j'allais lui dire des trucs. Ça va pas continuer comme ça. Non. Avec moi, ça ne marche pas. Bon. Bon, voilà, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Voilà, l'heure est grave. Oui. Puisque le chef a eu l'audace d'attaquer, oui. Je vais contre-attaquer. Et maintenant, je vais vous apprendre le plan B. Le plan B. Qu'est-ce que c'est? À partir de maintenant où je vous parle, oui. Vous êtes mes lieutenants. Vous êtes des militaires. Et oui, vous êtes des militaires. Mais et on doit attaquer. Écoutez, attendez-moi. Reculez. Oui. Bon, voilà ce que c'est que le plan B. Tenez, allez. Mais... Bien, tenez-moi ça. C'est quelle affaire ça? Allez, regardez bien. Hein? Vous changez rapidement. Voilà, ça c'est à moi. Mais go. En politique, quand tu loupes, on te loupe pas. Voilà. Mais c'est pas vrai. Mais ça c'est une arme. Mais tu vas pas faire ça dans le village ici. C'est le chouchou. Ah non. Mais non! Un militaire, ça ne tremble pas, nom de Dieu! Bon, d'accord. Mais alors, on tremble pas. Vous êtes des garçons ou quoi? Oui. Alors? Oui. Bon, allez, changez-vous! Oui, allons. Allez, vite! Vous avez compris? Il pas de coup d'État. Coup d'État? Il n'a pas de machette, il n'a pas d'armes, il n'est pas militaire, il veut faire un coup d'État. Vous là, comme le chef a dit là, il faut qu'on s'inquiète. Toi! Appelez-moi le féticheur. Tout de suite, chef. Ça va pas se passer comme ça, hein?
Lui, il a 1000 francs. Mm-hmm. 500, mm-hmm. 500, 500. Pourquoi? Ah, non, non, moi, je n'ai rien reçu. Je vous ai toujours dit que Gourou, c'est mon frère, c'est nous qui gérons maintenant. C'est faux, ça. Gourou est ton frère aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est ton frère. Non, moi, je vous ai dit que ta tête là, ça va rester ici aujourd'hui. À qui s'il faut le donner à boire? Moi, je vais jamais. L'argent d'abord. On ne pas. Non, l'argent, on va pas. Ta tête va rester. Attention. Ah, non, non, non. Ta tête là, ça va rester. Jamais. Attends. Il y a plus l'argent. Sa tête là va rester ici. Yo, il a pris l'argent, c'est pas l'aide de sa femme. Je vais essayer de rentrer. Il a pris l'argent, c'est pas l'aide de sa femme. Non, pas ça. Il a donné l'argent d'abord. Non, attends un peu. Tu bouges pas. Ma sœur est en train de faire ce que tu veux. Les gars. Qui c'est? Ne fuyez pas, ne fuyez pas. C'est vous. C'est vous. Go, 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 go. C'est moi. Go, 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 go. Je suis arrivé, comme prévu. Bon, asseyez-vous. Non. Pendant le changement, on ne s'assoit jamais. Ah bon? Ah oui, il faut toujours rester debout pour surveiller ce qui se passe. Parce que si tu restes à terre, tu ne verras jamais rien passer. Il faut être debout pour tout contrôler. Ah oui? Parce que moi, Gourou la pioche, je suis venu pour faire un changement. Vous avez compris? Hein? Oui. Je suis venu pour piocher le village. Et tous les chefs, les petits chefs mesquins, on doit les enlever. Et ceux qui doivent prendre le pouvoir maintenant, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est vous, c'est moi. Ah oui, ah bon? La machine du changement est en marche. Il y a maintenant, une machine, hein? Personne ne doit rester à le terre. Le changement? Personne ne doit rester à terre. Si tu es resté à terre, ça veut dire que tu es avec le chef. Et si tu es avec le chef, c'est ça qui marche. Ah, non, 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 pourquoi? Non, non, non. On n'est pas avec le chef, hein? Bon, non. Maintenant, si tu es dans la machine du changement, ça veut dire que tu es avec moi. En ce moment, c'est ça. Et attention, celui qui me trahit, celui qui me trahit, c'est ça. Ça c'est ça la force. Nous sommes avec vous. Maintenant, je vous promets beaucoup de changements. Et je dois commencer par construire le village. Alors, la route qui mène en ville, elle n'est pas goudronnée. Moi, Gourou la pioche, je la goudronne pour vous. Pour toujours le cadre du changement, vous avez faim. Moi, Gourou la pioche, je construis une boulangerie dans ce village. Je vous le dis, je vous le dis. Maintenant, nos sœurs, nos mamans, nos grandes sœurs qui ont des problèmes pour accoucher. Ah oui, mais qu'elles souffrent. Elles souffrent, nos petites sœurs. Mais moi, Gourou, je me fais à toute cette souffrance. Je construis une maternité dans ce village. Eh oui. Maintenant, je suis prêt à mettre tout ça à votre disposition, mais attention, si vous me trahissez... Personne ne peut vous trahir. Si vous me trahissez, personne ne peut vous trahir. Maintenant, personne ne peut vous trahir. Il faut manger parce que vous avez faim. Vous avez faim et pour cela, je vous ai apporté quelques billets d'argent. Oh, oui. Tout ça, c'est de l'argent. L'argent. Ça, c'est pour vous. L'argent. Vous pouvez manger. Tout ça, c'est de manger. Manger. Bonjour, oui. Glazaï. Où n'y a Grébo, 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 Abrego, Abrego. Il y a des problèmes dans le village. Le chef a des sérieux problèmes. Il m'envoie t'appeler. Ça va. Ah, je ne sais pas ça si va, tu peux l'aider. Ça va, j'en sais quelque chose. Ah bon? Aurait-il perdu le sens de la vérité? Il a tout perdu. Le chef est très loin de son peuple. C'est le peuple qui s'est éloigné de lui. Non! Ton chef est tyran. Il est adultère. Le chef est sanguinaire. Il est tout ce qu'on peut penser de négatif. Mais après tout, c'est notre chef. C'est ton chef, c'est mon chef. Nous allons essayer.
Si tu peux ne même pas essayer, c'est bon. Non, ne t'en fais pas. Je vois à l'horizon. Le fils de... celui que tu sais. Le vieux Gabriel. Oui. C'est bien lui. Non, hein, l'autre là, lui, il est gentil. Hein. Il nous donne beaucoup Qu'est-ce de choses. Qu'est-ce que tu en sais? Ils sont tous pareils. La chance est maigre pour ton chef. Seulement, tant que Zaglazaï est dans ce village est en sécurité. Va! Dis au chef que j'arrive. D'accord. Je fais ce que je peux. Bon, merci, hein. Gribo, 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 à toi la vie. Et tonton, ton beau est en train de donner l'argent là-bas. Mais c'est vrai bien. C'est vrai bien. C'est faux bien. Chef, on arrive, hein. Ah, chef, on s'en va. Mais ça va pas se passer comme ça. Ce petit-là, il faut que je l'écrase. Ah! 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 Chef! Chef, le fétichier dit qu'il arrive. Mais où ils sont tous partis? Ah, on dit qu'on donne l'argent là-bas. Ah bon? Écoutez, comme je vous le disais, l'heure du changement a sonné. Désormais, c'est un coup d'État. Oui, un coup d'État. Votre nouveau chef, c'est moi. Oui, c'est moi, Gohou la pioche. C'est moi le nouveau chef. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui est votre nouveau chef? Gohou, 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 Gohou. Maintenant. Gohou, Gohou. Maintenant. Oui. Maintenant. Si vous êtes pour le changement, suivez-moi. Nous allons destituer l'ancien chef. Allez, venez avec moi. Go, 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 go. Viens, Sylvie. Viens, la situation est grave. Hein? La situation est grave. J'ai dit, c'est ce que tu as dit ici l'autre jour de Gohou là. Mais c'est vrai. Ah bon? Gohou. Il est arrêté là-bas de l'autre côté du village là, oui. En train de distribuer l'argent comme ça aux gens. Mm-hmm. J'ai dit, si mm-hmm. tu le vois, lui mm-hmm. et ses deux acolytes, les deux traîtres du village là, mm-hmm. j'ai dit, ils ont porté habits des militaires treillis là. Ah bon? Ils ont mis ça, si tu vois les chaussures là, c'est gros gros comme ça. J'ai dit, et puis ils ont mis ceinture dessus. Gohou a gros fusil comme ça ici. Hein? On n'a pas pistolet là. C'est ce qu'il a. Et il est en train de crier là-bas. Il dit que lui, il a fait coup d'état. Coup d'état? Oui. À moi? Oui, à toi. Que désormais, c'est lui le chef de ce village. Moi? Oui, toi. Personne ne peut faire coup d'état sur moi. Après moi, c'est moi. Et puis, mes enfants qui doivent m'enrichir, c'est pas lui. Oui, c'est comme ça. Gohou n'a qu'un verre de terre. Je vais l'écraser. Dieu, c'est qui, si tu le trouves là, faut pas le laisser, faut l'écraser même. Alors? Ce qu'il est en train de dire là-bas de toi aux gens là, c'est grave. C'est grave. Pas ici, là, là, là. Ah, ils arrivent. Allez, debout. 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 Allez, deb
Toi, tu es dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Alors, moi, je les accompagne. Prends ça. Toi, ramasse-toi ça. Vous, les notables. Du calme, silence. Calmez-vous. Du calme. Ouais. Ferme-toi. Qui parmi vous ne sait pas que ce chef est un chef voleur? Non, non, non. Voleur. Voleur. Silence. Qui vous a chassé de vos terres? C'est lui. C'est pas moi. Qui cherche les femmes des gens dans ce village? C'est lui. Il a cherché ma femme deux fois. C'est femme. Yeah. Yeah. Silence. Ta gueule, toi. Qui est votre nouveau chef? C'est toi. Calmez-vous. Calmez-vous. Allez, mettez-la dans la cuisine. Il a trop dit. Allez dans la cuisine. Oui. Oui, d'accord. Oui, vous où la pioche? Oui. Je vous apprends que j'ai la situation à main. Que je contrôle tout actuellement. Oui, l'opération Go où la pioche est terminée. Et actuellement, ça s'est très bien passé. Et je contrôle tout. Oui. Oui, j'ai la situation en main avec mes lieutenants. Oui. Oui, d'accord. Bientôt, on passe au plan B. Mm-hmm. Ok, on s'attrape. Voilà. Merci bien. Oui. Oui. Ok. Voilà. C'est bon, ouais. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Non, chef, c'est-à-dire que... non, go, chef, c'est-à-dire que... depuis que vous êtes là, là, c'est un merci pour tous les villages, quoi. Mais, je dis, vous savez, le terrain est très miné ici. Hein? C'est dangereux. Où vous êtes là, c'est très dangereux. Mais est-ce que vous avez besoin... Hein? Vous ne savez pas que vous avez besoin d'un troisième œil? Non, je n'ai pas besoin de ça. Si! Non! Il faut... Il le faut. Est-ce que vous avez vu Glasagnon? Vous l'avez consulté? Il est dangereux. Le chef m'avait envoyé chez Glasagnon pour voir clair dans ce que tu es venu faire ici. Et même te détruire. C'est important. Glasagnon est dangereux. Très dangereux. Tout le monde a peur de lui ici. Où est-ce qu'il est? Même quand quelqu'un doit mourir, il sait. Il est où? Il est derrière la case là-bas. La dernière case, c'est là il est maintenant. Il était l'autre. La toute dernière là? Oui, à cause de toi, il est parti là-bas. Allez me le chercher. Allez me le chercher rapidement. Il a même ton âme. Chef. Je suis un petit rapporteur, mais celui qui est grand. Il ne faut pas m'oublier. Je ne t'ai rien dit. Quand? Tu ne m'as pas vu, tu ne me connais pas. À cause de vous, ma chaussure, tout ça, c'est fou. Foulcan! Oui, je vais partir. Hein? Je suis parti. Ce que tu sais. Non. Qu'est-ce que le chef voulait faire? Non, tu sais, il voulait tout juste savoir. Tu sais, chef, tout le monde était déjà au courant. Hein, donc, bon, de toute façon, dans tous les cas, toi-même, ton arrière-grand-père était chef. Moi aussi, mon arrière-grand-père, tu sais ce qu'il était. Et donc, si mon arrière-grand-père était à la disposition de toi, ton arrière-grand-père, ça veut dire que moi, je dois être à ta disposition. Glasagnon. Oui. Mets-toi à ma disposition. Je suis au garde-vous. Je suis au garde-vous. À partir d'aujourd'hui. Oui. Tu es mon féticheur attitré. Je suis ton féticheur. Mais attention, si tu me trahis, si tu me trahis. Non, non. Ah, y'a tu si, y'a yo. Chef, non, toi-même, tu sais que ça n'est pas dans notre famille. On n'est pas né pour ça. On est né pour vous servir, vous les chefs. Bien. Oh.
Je vous ai dit que c'est comme ça. La ferme, toi. Gohou, maintenant qu'il est arrivé, là, il faut voir maintenant le village, là, ça ne va même pas. Mais ce n'est pas ton neveu. Quand il est venu ici, là, quand il est arrivé dans le village, là, il nous a distribué du pain, de la sardine, on a mangé. Nous, on a cru que c'est quelqu'un qui est venu faire du bien pour nous, alors qu'en bas, là, c'est trop noir. Prenez une décision, hein? Je ne suis pas le seul à prendre décision, puisque je ne suis pas le seul habitant de ce village. Matteo. Ah. Eh, oh. Ah. Mon frère, il y a la place. Mon cher, je vais quelque part, là. Tu ne peux pas aller quelque part, puisqu'on est en train de parler du village. Ce qui ne va pas dans le village. Tu es aussi du village, on en... Il faut t'asseoir pour écouter. Mais pas pour longtemps, hein. J'ai écouté, mais pas pour longtemps. Ben, j'ai dit bien. Hein? Tu vois, depuis que Gohou est à la tête de notre village là, tout ça là, rien ne marche encore. Quand il est venu là, il nous a donné à manger. On dit que ah, c'est un homme qui est venu nous sauver la vie. Alors qu'au fond là, c'est pas ça. Vous savez maintenant que vous êtes des affamés, vous êtes des achetés, des vendus. Quand Gohou est venu premièrement là, je vous ai dit, groupé super, il est venu, il est venu, il est venu, bandit, l'argent, du pain, sardine. Vous étiez chaud, non? Vous avez vu maintenant sa vraie face. Mais tu as mangé aussi, non? Tu as vu dans ma bouche? Tu n'as pas mangé, toi? Il n'a pas mangé? C'est pas lui. Passons qui va chez lui là-bas. Là. Moi, je vais chez lui, c'est vrai. Mais quand tu vas attraper ton voleur, il faut toujours être à côté de lui. Voici pourquoi je suis là-bas. Toi, c'est ton neveu là. Tu as trouvé une solution pour lui. Prenez votre décision. Moi, je vais prendre ma décision comment? Ensemble. Moi, ma décision, ensemble, il faut qu'il quitte ce village. Il faut qu'il quitte ce village là. Parce qu'il est très mauvais. Il vient de déménager chez le chef du village. Bon, écoutez, bon, ce qui est là, moi, c'est pas pour durer. Je vais contrôler mes pièges. Bon, mais ce qui est juste, il est mauvais. Voilà. Lui, tu joues, c'est pour aller voir piège seulement. Avec, c'est son travail. Là, tu n'es pas au courant qu'il nous fait ça pour aller passer 10 secondes en train de dire à Gohou. C'est un lâche. Faut pas qu'il nous vende. Bon, chef. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, prends place là. Allez, là, 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 allez. Là. Oh, chef. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Non, chef, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Non, chef, c'est grave. Tout le village est contre toi. Ils sont réunis contre toi. On dit tu es amer. Tu ne respectes pas ta parole. Tout ce que tu as promis, rien n'est fait. Même les notables sont là, réunis à cause de toi. Ils n'ont même pas encore fini la septième page de leur réunion. Ils sont présentement là. Contre toi, on veut t'expulser de ce village. De façon tu es venu là, c'est la même manière que tu vas partir. C'est ce qu'ils sont en train de décider. Ça va. Oui, je sais, ça où va. Où tu étais toi? Tu étais là-bas? Non, j'aime. Chaque fois quand je passe là, mes oreilles sont à l'écoute et puis mes yeux voient. Je sais qui était là-bas, qui n'était pas là-bas, qui a parlé, qui n'a pas parlé. Où est-il? Je le vis, André. Tout près là, ils sont là. Je le viens, André. Quelqu'un pour aller me les chercher vite. Chef, bon, moi, m'amuser. Tu bouges pas de là, toi. Ah, ils vont savoir que c'est moi qui viens rapporter tout. Hein? Chef, ah, c'est, non, on ne me rend pas service comme ça. Hein? Je suis déjà là comme d'habitude. Dis-moi. Hein? Toi qui sais tant de choses dans ce village. Oui. Où se trouve l'or de ce village? Non, chef, sincèrement, ça, je ne suis au courant de rien. Moi, je ne suis qu'un simple paysan. Je ne vis que de ma récolte. Je ne suis au courant de rien. Ça, c'est l'ancien chef qui est au courant de tout. Tu le sais très bien, bon sang. Non,
On se connaît très bien dans ce village. Non. Oui, on se connaît en détail dans ce village. Bien. Faites-le sortir. Vite. Tout de suite. Eh non, eh, là, la situation, je vous oblige. Allez. Allez. Dépêchez-vous, là. Chef, bonjour. Ne passez là, c'est vous. Bonjour, chef. Allez. Celui qui joue au con va voir. Qu'est-ce que c'est de... Regardez-moi ça. Alors, c'est vous qui préparez la mutinerie ici? Non, chef. Non, moi, je n'ai rien dit, hein. Au nom de ma mère, je n'ai rien dit. C'est la conspiration. On n'a pas de dents, hein. Je sais. Bande d'ingrats, vous allez répondre. Allez, bande répondez. Bande d'ingrats. On n'a pas de dents, chef. Ta gueule, toi. Qui a des dents? Vous n'avez pas honte. Je vous sors du trou. Et c'est ça, votre manière de me remercier. Hein? On n'a pas de dents. Tu la fermes pour de bon, toi. Vous oubliez que je suis irremplaçable. Je suis chef à vie, moi. Gohou la pioche. Sinon, ça ne vous dit rien. Hein? On n'a pas de dents, chef. Vous ne répondez pas? De toutes les façons, vous allez répondre. Faites venir l'ancien chef. Allez, on se dépêche. Là, on ne peut pas partir. Là. C'est quoi là? Alors, dis-moi, où tu as mis l'or du village? Si. Voilà. Tu ne sais pas que cet or ne t'appartient pas? C'est l'or de tout le village, donc l'or du peuple. Tu ne peux pas le prendre pour toi seul. Alors? Tu vas parler? Où se trouve l'or du village? Tu vas me dire où tu as caché l'or? Tu parles oui ou non? Je ne sais pas. Tu le sais? Tu sais, il faut dire. Oh. Tu ferais mieux de me dire toute la vérité ici. Hey, toi? Tu la boucles! Dis-moi où tu as caché l'or du village. Je ne peux pas te donner ça. Ah bon? Tu vas me répondre? Tu vas répondre? Tu as caché l'or du village? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu vas me répondre? Tu où tu as caché l'or? Fais-toi! Toi! Et toi? Toi! Tu toi! Réponds! Chicotez-le! Ouais! Chicotez-le! Arrête! Arrête! Attends, la boucle, toi! Non, il n'a qu'à dire, ça là c'est bon, Chicotez-le c'est bon. Mais ça là, c'est un coup de bon, c'est funérail. Ça veut dire quoi ça? Attends, il faut parler. Mais je vais continuer! Où t'es caché l'or? Attends, je vais te dire ça. Je vais te dire. Attends, je vais te dire. Prends ton cœur. On a d'abord problème. On a trop attendu. Hein. Oui, on passe. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas me dire? Chicotez-le. Arrête! Attends, je vais dire la vérité. Attends. Tourne là-bas, tourne là-bas. Non, je suis au courant de l'air. C'est lui là que j'ai confié. Ouais, ça... Non, bon. Allez, passe-t-il! Passe-t-il, traite! Allez, chicotez-le! Chicotez-le! C'est lui. Où se trouve l'or du village? Tu me dis où je te pète la cervelle. Où se trouve l'or? C'est lui. Remettez-le dedans. Allez, lève-toi, allez. Bien. Lieutenant, occupez-vous de celui-là. Allez, j'ai déjà pissé. Allez, pas ça. Allez, pas ça. Il y a tout un bout. Tu vas chier. Non, je suis quasi peu pour. Bon, vous. Alors. Vous ne devez pas quitter le village. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Ne quittez vous pas restez les... ici.
Personne ne quitte ce village. Oui, chef. Ouais. Les frontières sont barrées de toutes les façons. Vous n'allez pas partir. Oui, chef. Vous restez ici jusqu'à ce qu'on voit clair dans les affaires. Oui, chef. Ok? Rentrez chez vous. Allez, rentrez! Oui. Rapidement. Allez! Je rentre aussi. Hein. Toi, tu seras en résidence surveillée. Accompagnez-le chez vous, chez lui. Hey. Prenez-le. Oh. Tu dis quoi? J'ai envie d'épicer. Oh. Tu dis quoi? Prenez-le. Tu vas pisser devant. Merde! Merde! Glazaillon, comment c'est de ta pays, Gaïo? Eh, maquère. Mais merde, maquère, Glazaillon. Oh, mon bico, hon. Et quand ben nous? Puis là, maquère, il est. Et bon, quand tu con, allez, quand le matin. Et bon, bien. Comment on le? Adieu, hon. Bonjour, Glazaillon. Bonjour, Glazaillon. Bonjour. Je savais que vous viendrez. Oui, je le savais. Seulement, vous y êtes pour quelque chose quand même. Oui, j'ai pris du recul. Ce n'était pas pour rien. Vous avez tourné dos à Glazaillon, l'oreille de vos ancêtres. Moi, Glazaillon, c'est moi qui tiens la bouche de vos ancêtres. C'est à travers moi que vous saurez ce qu'ils pensent de vous. Vous m'avez tourné dos. Ben, je ne suis pas celui-là. De mes ancêtres jusqu'à moi, de vos ancêtres jusqu'à vous, nous avons toujours été serviteurs de ce village. Je ferai quelque chose. C'est mon devoir. Oui. Je vais chercher. Un instant. Allons, toi, toi. Toi, toi, on a comme en noir. Toi, toi, aussi, on voit. Et là, si on l'est. Allez dormir. Allez-y, comptez sur moi. Merci, merci, on verra. Clivoto, clivoto, clivoto. Non, mais bouffe la bouffe. Voilà, prends ça. Alors, tac. Maintenant. Chef. Allez vite me chercher sédatif Albert. Ah, d'accord. Rapidement. Où est chef? Là. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Tu ne sais pas, tu ne peux pas le savoir parce que tu n'es pas intelligent. Tu es bête. Tu n'as pas de cervelle dans ta petite tête. Je t'ai fait venir pour t'accorder une dernière chance. Alors, tu vas me dire, pour une dernière fois, où se trouve l'or du village? Chef, vraiment, j'ai tout dit la dernière fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vas le savoir. Écoute, je ne voudrais pas faire de mal à quelqu'un. Mais si tu m'y obliges, je vais le faire. Alors, pour une dernière fois, tu vas me dire où se trouve l'or du village? Chef, faut pas écouter ce que l'autre a dit. C'est lui qui sait où se trouve l'or du village. Hein? Et vous voyez, ça grosse, de toute façon il est rond là, un gros val, et comment nous on est, où j'y avoir l'or? Ouais, de toutes les manières là, et puis après, depuis son ascendance jusqu'à sa descendance là, ce sont eux qui gardent tout dans le village. Bon, dégage. Dégage! Hein? C'est qui ça? C'est ma fille adoptive. Ta fille adoptive? Oui, c'est ma fille adoptive. C'est la fille du vieux coin. Depuis qu'elle était dans le ventre de sa mère, ben
J'ai douté ça. Pour qui? Pour moi. Tu es malade. Uh-uh. Ça ne te va pas la tête? Uh-uh. Tu es bête ou bien quoi? Hein? Uh-uh. Regarde là. Ouais, je la vois toujours. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Et toi, tu en as combien? 58 ans. 58 ans. Tu ne vois pas 58 ans côté de 13 ans? Tu ne vois pas le contraste? Ça ne te va pas dans la tête? Tu es malade? Mais... c'est ce que vous avez l'habitude de faire dans ce village? C'est pour me rajeunir. Te rajeunir? Ça ne se passera pas comme ça. Ah, chef. Mais oui. Mon poulet que j'ai élevé, je n'ai pas trop à manger ça. Tu ne mangeras pas ce poulet. Ce poulet, il est à moi, Gohou la pioche. Non, chef. C'est moi qui vais le déguster. Non, chef, vous n'allez pas faire ça. Elle ne connaît pas encore Gazon, tout ça là. Et puis, dans nos coutumes ici, je dois être le premier à faire ça. Hein, chef? Je le ferai aussi bien que toi. Chef, non, si. Ah ouais, maintenant, chef, cesse de pleurnicher. Ils vont laisser ça. Dégage! Oui, déjà. Bon, ah oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Maintenant, oui. Il faut parler plus vite. Allez me chercher Glasagnon. Glasagnon? Parce qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ah oui, ah allez oui, vite. Oui, oui. Tu as vu ça? Oui, pas mal, hein? Le produit? Oui. Comment tu trouves? Oh, la fraîcheur. Non, mais il te faut ça, hein? Non, il te faut ça, absolument. Non, non, tu as du goût, toi. C'est fait, il arrive. Oh. Le tout puissant Glasagnon. Mon Glasagne. Mon Glasagnon, là. Je t'ai fait venir pour te dire que je vais me marier. Oui. Tu vas te marier? Oui. Je viens de prendre la décision. Je vais me marier. Je savais que tu en arriverais. Mais oui, j'étais en train de me poser la question de savoir comment allait-il s'arranger, ce grand chef vénéré qui n'est pas marié. Mais je te sais aussi intelligent. Je savais que tu avais pensé à ça. Et avec qui? En as-tu une idée? Oui. Vas-y voir. La fille adoptive de Sédatif. Sédatif? Ah, tiens. Albert Sédatif. Mais non, il a du goût, celui-là. Et n'y a d'une mot. Et n'a d'une mot, souhait. Mais as-tu pensé à ce petit quelque chose? Oui. Il te faut la précéder d'une aînée. Que fais-tu de la sagesse? Je te sais suffisamment sage. Ah ouais, ouais, ouais. Sinon, tu ne serais pas en train de penser à te marier. Et maintenant, c'est parce que tu es sage. Ah ouais. Mais alors, vas-y jusqu'au bout de la sagesse. Alors, précède celle-là d'une aînée. Pourquoi? Elle n'a pas d'expérience, celle-là. C'est pas en besoin d'être guidée. Et tu sais... qui doit la précéder? Rappelle-toi un peu. Plus
plus expérimenté. Ah ouais. Il n'y a pas meilleur. Ouais, que ça. C'est vrai, tu vois. Tu vois ce que je vois. Attends. Tu as aussi à comment tu m'y as cessé d'un siabel, mec. Anouaï, anouaï. Ça y est, oui, oui, mon c'est ça y est, bien, mon. Un siamon yamblé, d'un siamon yanon yé, d'un siamon yambé, d'un siamon yambé, d'un siamon yambé, ça y est, oui, oui, mon c'est ça y est, bien, mon. Go, nyonglé. Intéressant. Mets ton doigt ici. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà. Et remets ce doigt sur ta tête. Sur ton front également. Voilà. Tout est gagné. Oui. À présent, tout est fait. Et toi, moi, le voyage est nul. Oh, il n'y a pas de voyage. Toi, c'est moi. Moi, c'est toi. À partir de maintenant. Et ton pouvoir, tu l'as. Tu l'auras. Et pour aussi longtemps que tu le voudras. Merci, Blasin. Mon jatier, c'est jatier. Mon chrétien, c'est chrétien. Mais n'est mon sort, c'est à nouveau. Hablé, mais un aimant, mon yé, c'est y'a indé. Abrou à Dieu. Tu as c'est à ta mot, mi amour, de ce bel ne, yo. Anouaï, raïzaï, oui, oui, mon te saïzaï, ben, mon roi. Il est parti. Ah oui, il est parti. Mais j'ai eu peur, hein. Mais il est puissant. Ah bon? Il est pas mal, hein? Ah, oh, il est très puissant, ce gars. Ah, Lola? Ben, ça y est, mais il détient les secrets de Dieu. Bon? Des secrets. Un pouvoir. Oh, un pouvoir surnaturel. Mais là, moi, j'ai eu peur. Oh non, mais pas plus que moi. C'est que ça va aller. Depuis que Gowu est parti avec Kakao, là, il a vendu Wa. Il n'a pas vendu Wa. On ne sait pas où il est parti. Tu sais ça? Où je suis là actuellement, là, je n'ai même pas l'argent. Je sais pas comment faire. Hé, hey, vous là, le chef a besoin de vous. Parce que l'acheteur de produits est là déjà. Ah bon? Oui. Ah, allons chercher les autres. Ok. Bon, écoutez-moi très bien. Je vous ai fait venir pour vous faire la lumière de certains points. Alors, j'ai fait venir ce monsieur que vous ne connaissez certainement pas, mais vous aurez le temps de le connaître. Parce que moi, pour vous, quand je parle, je fais. Si je dis suivez-moi, suivez-moi. Et quand je vais à droite, allez tous à droite avec moi parce que c'est le meilleur chemin. Si je dis c'est du rouge, alors monsieur, il va se présenter, vous allez le connaître. Allez, vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est moi qui paye ici vos cafés et vos cacao. Et vous avez fait 10 tonnes. 10 tonnes, ça fait 3 millions. N'est-ce pas? Voilà. Vous avez fait une très bonne production. Oui, c'est très bien, votre café, votre cacao. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Je suis allé m'emmener ça chez les Blancs en Hollande. Ils ont regardé, ils ont vu, ils ont dit c'est très bien. Mais ils voulaient me créer un problème. Vous en parlez de... Non! Avant de venir au deuxième point, parlons d'abord d'argent. Parce que c'est ça le plus nécessaire. Oui. Alors, on finit avec cette histoire d'argent et on passe au deuxième point. Maintenant, l'argent, comme il vous l'a dit tout à l'heure, ça fait 3 millions. Alors, sur les 3 millions, moi j'ai retranché 1,5 million. Parce que vous le savez très bien, c'était un prêt que je vous avais fait. Alors, j'ai retranché mon argent. Alors, voilà le reste. Pourquoi? Ça, c'est 1,5 million. Vous osez poser la question, pourquoi? Ouais, ah ouais. Poser la question. Je ne savais pas que vous aviez la mémoire courte jusqu'à ce point. Vous n'êtes pas sans savoir que vous aviez la mémoire courte jusqu'à ce point. Vous n'êtes pas sans savoir que quand je suis arrivé dans ce village, je vous ai distribué du pain. Je vous ai distribué du pain. Je vous ai partagé des boîtes de sardines.
J'ai ouvert une pharmacie ici pour vous. Pharmacie par terre là. Maintenant, j'ai réalisé pas mal de projets pour vous ici. Alors, quel projet? Il reste que 1,5 million. Et dans les 1,5 million, je prends ma commission qui est de 500 000 francs. Encore? Voilà. Et maintenant, le reste 1 million, c'est assez suffisant pour vous. D'ailleurs, voilà. Prenez, faites tout ce que vous faites avec. Mais, chef, vous dites que vous avez réalisé des choses ici. Est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas correct? Hein? Même quand la femme d'Atumblé avait des problèmes pour accoucher là. C'est un bourreau qu'on l'accompagnait hein? Quand je parle, on ne discute pas. Ah, on n'a pas discuté, on s'explique. Bien, passez au deuxième point. Voilà, le deuxième point. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le deuxième point, c'est que les Blancs veulent mettre la matière grasse dans le cacao qu'on a produit. Et la matière grasse, c'est pas bien. Donc, moi, j'ai pensé à une deuxième culture. Voilà. La matière grasse dont il parle, le café et le cacao que nous produisons ici, c'est de bonne qualité. Et c'est ce cacao que les blancs prennent pour faire le chocolat. Et ce chocolat, ils veulent y mettre la matière grasse. Ça, c'est pour diminuer le revenu. C'est pour diminuer le revenu. Vous-même, vous avez constaté ce que vous avez eu. Ça, c'est pas assez d'argent. Alors, avec moi, Gohou, il n'y a pas de mesure. Puisque les Blancs, ils veulent aller avec la politique de la matière grasse dans le chocolat. À partir de l'instant où je vous parle, moi, Gohou, je change la culture ici. Maintenant, en lieu et place du café et du cacao, qui sont d'ailleurs très mal vendus ici, on produira désormais une autre culture qu'on appelle... Marijuana. Vous ne connaissez pas, mais vous allez avoir le temps de découvrir. C'est ça qu'on appelle le chanvre indien. C'est une culture qui rapporte assez d'argent. Un seul sac. Ça fait 10 bennes de cacao. C'est plus que 10 tonnes de café et de cacao. Ça rapporte assez d'argent. Vas-y. Ah oui. Et ça, on récolte deux fois dans l'année. Laisse. C'est ça. Pas le mille, ça. C'est pas du mille, c'est le grain de chanvre indien. C'est ça, désormais, qui sera la culture ici. Ce sera le cheval de bataille de notre village. Désormais, je vous dis, désormais, plus de café, plus de cacao. Maintenant, c'est le chanvre indien que nous allons cultiver ici. Et maintenant, foutez-moi le camp. Et que je ne veux plus entendre parler. Celui qui parle, si j'entends quelqu'un parler dans ce village, de quoi que ce soit, alors, à bon entendeur, allez, foutez-moi le camp. Foutez le camp. On a rien. Il a vu. C'est comme ça. Tu as été super. C'est ça, on se connaît. Ah ben oui, c'est mieux comme ça. Je vous ai vu venir. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui vous amène? Mais si tu nous as vu venir, tu dois savoir ce qui nous amène. Albert Sédaté. Oui. Je veux savoir ce qui vous amène de ta propre bouche. Pas que je ne le sais pas. Tu n'es pas étranger dans ce village. Et tu sais ce qui se passe. Depuis la venue de Gohou ici là. On est traumatisé. Il nous traumatise. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Albert, c'est d'accord. Avant, on vivait paisiblement dans un village-là. Mais depuis sa venue, c'est terminé. Et Albert, ce qui est grave, même ce que j'ai doté, la nouvelle que j'ai doté là, il veut. Albert, c'est d'accord. Oui. C'est ce que je voulais entendre de ta bouche. Oui. C'est fini. Et quoi? C'est fini. Plus de problèmes dans ce village. Voilà. Gohou m'a demandé un service. Quoi? Hein?
Le nouveau chef m'a demandé un service et je vais le lui rendre. Non. Si. Non. Albert. Albert. Oui. Mais non. C'est ce service que je dois lui rendre et c'est ce service qui va rendre service à ce village. Oui. Comment un cannibale comme ça, toi, lui rend service et puis nous, non. Je comprends. Vous acceptez ça? Je comprends que tu n'as qu'une cervelle de moineau, mais. Faut pas te limiter à cela. Albert, pour une fois, je t'en prie, au nom de ton peuple, au nom de ce village, fais exactement ce que je te demande. Allez-y. Albert. Non, si tu as réussi ce plan-là, c'est très formidable. Toi, tu es dangereux. Albert, bon, attends. J'entends des pas de porte. Va, lève-toi. Bon, m'a dit. Nazaïon, c'est moi. Le chef Gohou m'envoie à t'appeler. Ah, ok. Oui. Va, dis-lui que j'arrive. À l'instant même. D'accord. Vas-y. Bon, allez. Gohou m'en dame ou l'eau. Toi dame m'envoie moi ou. En moi n'y est-il. Quand vous m'en dites moi ou. Vous m'en dites moi ou. C'est un ancien. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas encore là, ce glasagnon? Pas encore, mais je crois qu'il ne tardera pas. Hein. Oh, il se fait désirer ce pauvre con. On place déjà l'échelle. Mais oui, vous n'avez pas besoin de vous demander. Oh! Là. Oh, le voilà qui arrive, ce pauvre. Ah oui. Asseyez-vous là. Eh bien. Le tout-puissant Grasagnon. Bien, maintenant vous pouvez me faire sortir mes deux dulcinées. Ah oui. Oui, mais. Faites-moi sortir la première. Ah oui. La fraîche. La fraîche, Chini. Oui, la fraîche. La laisse. Mais faites-moi venir la deuxième. La vieillerie. La vieillerie. Allez, la deuxième. Allô, toi, ça va? Oh, laissez-moi. Mais dis donc. Dis donc. Quoi, une grande? Mais c'est pas vrai. Tiens. Oh, ça va. Tiens. Oh. Mais ça va, toi? Oh, hey. Putain. Elle est sauvage, celle-là. Tu oses. Faites aller là-bas. Allez, enfermez-la. Zèbre. Laisse-moi faire. Alors, tout est fait. Allez la chercher. Allez me la chercher. Soldats sans grade, tous les patrons. Vous vous laissez chiffonner par une pauvre femme. Alors,
Bien, Brazagnon, tu peux célébrer le mariage. Grigo, Gou, à présent, tu es marié. Ah ouais! Et maintenant, tu es marié à deux femmes. Ah, c'est ce que... Ah ouais! Oh, oh, oh! Bon, voilà. Maintenant, oui. Comme il est de coutume, Glaçagnon, il faut faire l'essai. L'inauguration. Déjà? Ah oui, avec ma dulcinée. Et elle, la vieillerie. C'est un peu tôt, hein? Qu'est-ce que tu en sais, toi? On ne discute pas maintenant. Non, non, je n'ai pas dit cela. Vas-y. Faites-moi venir, c'est bien. Bien, ça va chauffer. Ah, les amis, oui. Vous savez pourquoi je vous appelais ce matin là? Non. Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le village ici. Là. Depuis que Gogou est à la tête de notre village, rien ne marche. Je vous appelais ce matin pour qu'on puisse discuter de ce problème. Voilà la nouvelle. Les nouvelles sont bonnes. Moi, il pensait que c'était la jeunesse qui prenait du pain avec Gou. Ne nous accusez pas, nous tous on en a profité. C'est moi. Pas la jeunesse, hein? Vous avez mangé aussi le pain. En tout cas, c'est vous qui êtes les aînés. Si vous prenez une décision, c'est moi, on voit ce qu'on peut faire. Un point. Mais pour la réunion, je ne vois pas ces datifs. Est-ce qu'il n'est pas chez Gou? Ah bon? Ah, le voilà. Effectivement. Le voici. Ah, allô. 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 Excusez-moi, j'étais pris. Pris par quoi? Mes pièges. Mais est-ce que lui n'était pas chez Gou, par exemple? Moi? Chez Gou? Tu dis quoi? Mais ça peut être vrai. Non, j'ai vomi Gou. Parce que c'est datif, c'est un couteau à double face. Couteau à double face? C'est fini cette fois-ci. J'ai vomi Gou et puis pour de bon. Je passe même plus devant sa maison. Le chef, il est au bord en ce moment. Non, et si tu ne m'aimerais pas être à sa place? S'il vous plaît. Hein? Oui, le chef m'a envoyé chez le vieux Koudou là. Où ça? Chez le vieux Koudou. Bon, attends que je t'accompagne. Non, Joué, je viens tout de suite, oui. Dites d'aller faire commission, je viens tout de suite. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, ça tombe bien. Ce Gou, il faut qu'on trouve une solution pour lui. Voilà, c'est pour la solution qu'on est assis là. Ah bon, donc je tombe bien. Gou, on doit finir avec lui, cette fois-ci. Trop, c'est trop. Gou est venu nous humilier. On ne ressemble même plus à ce qu'on était avant. Ah non! Il faut la dignité, la noblesse. Nous ne sommes plus nobles, on est esclaves maintenant. Donc, j'ai vu Glaçagnon hier. Glaçagnon? Oui. Et il a juré sur ses fétiches. Il dit, la femme du chef viendra nous remettre quelque chose. La femme du chef? Ah bon? Oui, elle n'est pas encore arrivée ici. Non, on n'a pas vu personne. Et pourtant, Glaçagnon était... Il était ah, la voilà, elle arrive. Ah, voilà, c'est toi, tu vas faire garçon. Elle va faire garçon. Ah, bonjour, madame. Bonjour, madame. Elle est de la place? Ouais. Merci, merci. Et Glaçagnon qui m'a envoyé pour vous remettre quelque chose. Oh. Ah, Glaçagnon? Hein? Tu donnes le fusil? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Le fusil de Gou. C'est ça qu'il a pris pour avoir ce village-là. Et c'est ça qu'il prend pour nous maltraiter tout le temps ici. Donc moi, j'ai tout fait pour voler ça, pour vous envoyer. Comme vous êtes les hommes du village, je vous envoie pour que vous preniez pour le chasser d'ici aussi. Oui, le notaire. Tu sais, employé, moi je suis soldat, mais tu es soldat, mais tu n'es pas militaire. Toi, tu es un soldat, tu n'es pas militaire. Tu n'as pas fait la guerre. Moi, j'ai fait 1945, j'ai fait Indochine, j'ai fait Algérie. Ah bon? Un ancien combattant. Oui, Allemagne. Ah! Comment? C'est un ancien combattant. Et puis ça, on n'appelle pas ça fusil, on appelle ça pistolet.
Bon, moi je vais partir. Ah, merci. Merci madame. Merci madame. Merci madame. Merci madame. Ça. Lieutenant. Oui, chef. Vous n'avez pas vu mon arme là? Non. On l'a pas vu. Ce n'est pas de l'autre côté là. Vous l'aviez tout à l'heure. Non. Où est passée la femme de l'ancien chef? Elle a pris la voie là. Elle disait qu'elle partait voir Koudou de l'autre côté du village. Oui, 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 oui. Imbécile! Elle m'a eu! Elle m'a eu! Go, go, go! Go! Non, 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 c'est trop fort! C'est quoi ça? Non, non, écoute, je t'ai, je t'ai! Passe là! Où? Passe là! Où? Oh, vous, restez tranquille! Ah oui! Restez tranquille, là! Où t'as eu ça? J'ai dit, c'est pas ton problème! J'ai dit, go! Tu nous as trop fait de mal dans ce village ici! On doit finir avec toi! C'est terminé pour toi, go! Non, non, doucement! Non! On ne s'amuse pas! Non, non, non! Tu arrêtes ça! Non, vous, hein? Ne bougez pas. Ah oui, ne bougez pas. On ne bouge pas. Vous tremblez pourquoi? Allez, tire. Je vais te tuer. Chef, tire. Chef. Laisse-le tirer. Non, tire. Chef. Tire. Chef. N'approche pas. Mais, hein? Mais ça va pas. Qu'est-ce que je vais t'arrêter? Mais toi, ça ne va pas. Je continue. On l'a sauvé. On l'a sauvé. On l'a sauvé. C'est bien sauvé. La gendarmerie. La gendarmerie ne soit pas ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. Nous sommes à la recherche d'un monsieur qui s'est évadé de la prison, donc nous sommes à sa recherche. Bon, regardez ça, c'est sa photo. Ah, c'est Gou. C'est Gou. Gou. C'est lui. C'est lui. Donc, vous le connaissez? C'est pas ton neveu là. Vous le connaissez? Oui, on le connaît. Mais où est-ce qu'on peut le trouver? Là. Allons-y, on va le chercher. Je vais te manger cru. Monsieur Gou, vous êtes en état d'arrestation. Jetez votre arme. Attrapez-le. 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 Non, je vous en prie. Mets-le là. Je vais vous donner beaucoup d'argent. Je vous en prie. Allez, amenez-le. Je vais aller voir les référés.